Hey, salut à tous et aux Lyonnais, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, on est parti sur le vlog à Saint-Maur, dans le magasin Mangarac. On va faire un petit tour des vitrines. Et ensuite, je vais vous montrer les livres d'occasion. Donc voilà. Je vais commencer par la vitrine qui est ici. Ici, vous avez du Pokémon. Les petites figurines de Pokémon. Elles sont un peu chères, hein. C'est les arbres directement avec tous les Pokémon dessus. En vrai, ça va, hein. Ici, vous avez les autres. €1,50 le petit Pokémon. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de figurines. Ici, c'est le coin Pokémon, hein, donc ceux qui sont pas intéressés, vous pouvez passer directement. On va aller regarder les mangas juste après. Vous avez des peluches et toutes les figurines. Ils sont vraiment pas mal du tout. Vous avez du moi quand je me réincarne en slime ici à 30 euros la figurine. Qui est pas mal du tout, hein. Qui est pas mal. Ici vous avez d'autres figurines aussi. Vous avez le Dragon Ball, du concept figurine. Ça je sais pas c'est quoi comme manga. Super Sonico. Je sais pas. En tout cas, vous avez du Fate Order. Du One Piece avec Boa Hancock. Elle est vraiment stylée cette figurine. Pour les amateurs de pop, vous avez un mur qui monte tellement haut en pop. Voilà, pour ceux qui aiment les pop, hein. Moi c'est pas trop mon kiff, mais je vous mettrai de façon dans la description l'adresse du magasin. Mais vous avez vraiment pas mal de pop comme vous pouvez voir ici. Vous avez un deuxième mur qui est juste là-bas. Voilà. Rien de la pop ici. Ici, vous êtes du côté des chaussons. Il y a des chaussons et les sabres. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui sont intéressés par les sabres, voilà, vous avez pas mal de sabres. Ici, vous avez du Harry Potter. Je sais pas si on m'entend bien, mais je peux pas parler plus fort, tout simplement. Ici, vous avez les baguettes. Vous avez un peu de tout sur Harry Potter ici. Comme vous pouvez le voir ici. Vous avez même des pop Harry Potter. Depuis que tu m'as raconté, c'était sa sainteté qui devait l'origine des chevaliers.
ici vous avez de la résine, celle de Terraform Mars sur Reinhard. Je crois que je le dis bien, Reinhard. Bon, ici vous avez du Disney, hein. Ça pourrait intéresser certaines personnes entre vous. Ici vous avez des sacs. Regardez-moi toutes les figurines qu'il y a. C'est énorme. Niveau figurines, tout ce qu'il y a pour du manga. Ici vous trouvez tout. Ici vous avez une autre figurine, une autre résine. Sur Terraform Mars aussi. Hein. Le personnage, je ne le connais pas celui-ci. Ici vous avez des bébés Yoda. Voilà, 12,90€. Très intéressant. Ici vous avez un buste de Gundam. Je crois que c'est Gundam. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Derrière vous avez du Deadpool. Les lumières, ça fait un truc bizarre la vidéo quand même. On va retourner comme ça. Du Sonic. Et ensuite, en haut, vous avez encore des figurines de One Punch Man, de One Piece et du Gundam. Enfin, ici, vous avez le côté Zelda, comme vous pouvez le voir ici. Je vais filmer vers le bas parce que la lumière, elle fait des trucs bizarres. Donc on va filmer comme ça. Ici, vous avez un côté où il y a du Mega Man, donc c'est pas mal du tout. Hein. Avec quelques figurines de Monster Hunter, des animaux. En dessous, vous avez un peu de Star Wars, pareil. Avec, bien sûr, Luigi, du Konami. Non, vous avez pas mal de choses. Hein. Si vous avez des tapis pour mettre devant la porte. Et des sacs. Ici vous avez quelques figurines, ici de Aokiji, qui est vraiment pas mal. À côté vous avez Sanji. Voilà. Du Baggy le clown, je vois pas la figurine à l'intérieur, elle doit être enlevée. Ici c'est Beck Beckan, il n'y en a pas souvent des figurines de lui. Son visage, il a l'air d'être un peu loupé, mais sinon, ça va. En vrai, il y a plusieurs visages à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici. Ici, vous avez du Nami. Charlotte Pudding, ça aussi, on n'en trouve pas beaucoup, des figurines. Juste en dessous, on a la figurine de Lucci, de One Piece Gold. Ici, vous avez un Killer. Vous avez pas mal de figurines, hein. Ici c'est Akainu. Donc c'est vraiment pas mal. On va faire le tour. On va aller de ce côté là. Ce côté là, vous avez du manga. Vous avez Renji qui est juste là. On va faire un focus. Voilà, faire un petit focus dessus. Hop, voilà. Vous avez du Black Bolter juste ici. Je sais plus son prénom, donc excusez-moi. Hein. Les fans de Black Belter. Ici, on me voit en retour. Bonjour. Ici, vous avez du One Punch Man. On n'en voit pas beaucoup aussi. Vous avez le père de Sanji qui est juste derrière. Vous avez du Sabot. Montre-moi ton visage, Sabot. Pas mal du tout. Donc là, on va se baisser un petit peu. Parce que ici, vous avez du Naruto. Avec Orochimaru, Obito. Hinata juste derrière, le premier Hokage qui est juste là, le deuxième juste derrière, vous avez le sixième Hokage, sixième ou cinquième, je ne sais plus, je crois que c'est cinquième, et le troisième Hokage juste derrière. En dessous vous avez du Gundam, désolé, hein. Vous avez du Gundam ici, tout ça c'est du Gundam, donc on va passer juste à côté. Alors ici c'est l'étage des waifu. Ouais, les waifu. Ici vous avez du C18, de la Nami, de la Pudding, de la Vivi, de Nico Rubin. Vous avez un végétarien, je sais pas qu'est-ce qu'il fout ici, mais bon.
Juste à côté, vous avez la sœur de Sanji. Vous avez Khalifa, je crois qu'elle s'appelle, la blonde, qui est juste là. Donc voilà. Ici, vous avez pas mal de Dragon Ball, du One Piece et du Naruto, bien sûr. Même du Fairy Tail qui est ici avec Grey. Donc voilà. Vous avez aussi du Tokyo Ghoul. Vous avez du Gintama aussi. Celui avec le sabre, je ne sais pas c'est qui. Je ne vois pas sa tête. Ici, vous avez une Izuku et juste derrière du My Hero Academia avec Izuku. Vous avez du Dragon Ball avec la Chichi enfant. Vous avez un Freezer full power. La petite juste à côté, je ne connais pas du tout. Donc, je ne peux pas vous dire. En dessous, on a des waifus aussi. On a celle de... Alors, aucune idée de ce qui est en fait. Vous avez un Zoro qui s'est perdu encore une fois. Qui s'est retrouvé aux côtés des waifus. Aussi un Renji. Un petit pervers celui-là. Et vous avez ici... Limule, je crois que c'est Limule, hein. Si je dis pas de conneries, c'est Limule ici. Et en dessous, c'est plutôt compliqué, mais c'est encore un étage de waifu. Voilà. Bon, tout en bas, c'est des petites figurines. Je vais pas retourner parce que faut que je me baisse. Donc là, on va remonter doucement. Voilà. Vous pouvez voir. Les prix, hein, comme vous pouvez le voir, c'est entre 15, ça part de 15 euros, jusqu'à 80 pour certaines, 25. Ouais, c'est comme un peu partout au niveau prix. Vous avez un peu de tout. Donc on va aller changer de... Enfin, changer. On va aller faire un tour autre part pour regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. C'est parti. Ici, vous avez une magnifique résine sur Sunken Rock qui est vraiment très très belle. Elle est excellente, cette résine. Juste à côté, vous avez du My Hero, un petit... comment il s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Ici, vous avez encore du One Punch Man. Derrière, vous avez L de Death Note. Tanjiro, voilà, ça c'est Tanjiro, j'avais oublié. Mais la résine de Sunken Rock, elle est magnifique. Elle est magnifique en tout cas. En dessous, vous avez juste du Tanjiro, hein, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez pas mal de Tanjiro. Et juste à côté, on a les DVD. Les DVD ici. Voilà. Vous avez pas mal de figurines en haut, des DVD ici. Je vais mettre vers le bas parce que sinon la lumière va faire encore que de clignoter. Voilà. Vous avez pas mal de DVD, hein. Vous avez tout, hein. Vous trouvez tout ici en DVD de manga. Donc voilà. Juste à côté, vous avez des casquettes aussi. L'autre côté, il y avait des casquettes, je ne vous ai pas montré, mais il y en a vraiment pas mal aussi. Hein. Du Call of Duty, il y a du jeu vidéo, il y a du Fairy Tail. Et ici, on tombe sur la vitrine où il y a du jeu vidéo et des films. Alors, celle-là, je ne sais pas c'est quoi dans quoi. Je crois que c'est dans The Walking Dead, hein, c'est Mission. C'est dans le comics, c'est la Mission du comics. Ici, vous avez un Leonidas, je crois, qui est juste derrière. Ici, vous avez, je ne sais plus comment il s'appelle. Ici, un John Wick. Je crois que c'est John Wick, ça. Je ne sais plus. En tout cas, vous avez beaucoup de Walking Dead. Hein. Voilà. Un Thanos, ici. Il est magnifique à côté du... comment il s'appelle? Du Iron Man. Plus le prix, ça va, hein, 30 euros la figurine, c'est pas mal du tout. Du Deadpool,
si vous avez les petites figurines. Pas mal du tout. Et ici vous avez une résine sur The Walking Dead. Elle est magnifique la résine. C'est sur le roi. Hein. Sur je sais plus, j'ai oublié son nom. Ici vous avez un alien tout blanc. Faut peut-être lui mettre la peinture. Du Venom, du Groot, qui est vraiment cool. Je vous montre en gros. Voilà en gros qu'est-ce que ça fait. Allez, on va continuer sur la vitrine d'à côté. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez une vitrine avec Jun Kim Lee. Je crois que c'est Jun Kim Lee, hein, les voyages du Chihiro, tout ça. Et du Ototo. Ototo, c'est pas du Gimli. Hein. Bon. Voilà, vous avez le voyage de Chihiro qui est juste ici. Je crois que c'est le voyage de Chihiro, celui-là. Je suis pas très sûr. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Avec du Ototo. Comme vous pouvez le voir ici. C'est vraiment pas mal du tout. Alors on va passer juste à côté. Juste à côté, vous avez des porte-clés d'un peu de tout. Du Dragon Ball, du One Piece, du Fairy Tail, du Jojo, du Seven Deadly Sins, du Death Note. Voilà. Vous avez du Tokyo Ghoul, Hunter x Hunter. C'est vraiment pas mal du tout. Dites-moi en commentaire si la vidéo est... Si je vais trop vite pour descendre et pour tourner. Si je vais trop vite, hein, j'en ferai une autre plus tard où j'essaierai d'aller le moins vite possible. Ici, vous avez une figurine de Baggy à 7,99€. Mais elle n'est pas... Elle n'est pas très ouf. Je vais faire un petit focus. Voilà. Pas très ouf. À côté, vous avez un petit Chopper qui est pas mal. Et un Zoro qui est vraiment pas ouf. Voilà. Donc, on va attaquer juste à côté avec des figurines de Demon Slayer qui coûtent vraiment une blinde. Il y a des membres qu'on peut enlever et changer. Donc voilà. Ils coûtent une blinde ces figurines-là. 74€, c'est vraiment une blinde. Ici, vous avez du Full Metal Alchemist avec du My Hero Academia avec Todoroki Shoto. Et ici, un petit Izuku. Mais ils coûtent vraiment une blinde ces figurines. Juste en dessous, vous avez d'autres figurines aussi. Qui sont pas mal. Du Kirby. Comment elle s'appelle celle-là? C'est dans Death Note ça. Voilà. On va descendre encore un peu. Hop. Faire un petit focus du God of War, un petit Naruto. Et en dessous, on va descendre encore du Fortnite, une petite Izuku, du Tenjiro. Et ça, je ne sais pas du tout, c'est du Fortnite. Ok, ici vous avez des toutes petites figurines de One Piece, comme vous pouvez le voir, à 5€ pièce. Donc voilà, ceux qui aiment bien les petites figurines, foncez dessus. Voilà pour ici, on va changer de... On va aller voir ailleurs. Ici, vous avez des figurines articulées de Dragon Ball Z. Voilà, de Dragon Ball, tout simplement. Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball. Voilà. Vous avez pas mal de figurines articulées. C'est pas vraiment mon kiff, mais si quelqu'un aime ça, vous avez même du Naruto. Hein. Et du Sailor Moon qui est juste là. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc maintenant on va attaquer les mangas en occasion. Où j'en ai ici, comme vous pouvez le voir ici là, hop, un petit tourniquet où il y a des mangas en occasion. Il y a beaucoup de lumière, hein, c'est pour ça que ça fait des clignements. Vous en avez aussi là-bas des mangas et dans le côté où j'irai juste après. Donc en manga d'occasion, qu'est-ce qu'on a? On a du Prisonnier Riku, le 35, le 34. Qui, ça peut être intéressant. Bon, il n'y a pas de prix, donc je ne sais pas combien il est. Ici, vous avez du Gintama. Gintama. Vous avez du Battle Royale. Du Juste Note Marié.
ce manga, je ne le connais pas. On va faire un petit focus. Ok. C'est fait par... Ok, Tsukadashi. Je ne connais pas du tout. Bon, il n'y a pas le prix dessus, donc je ne sais pas combien il est. Ici, il y a du Juste Notre Marié. On va regarder le prix de celui-là. S'il y est. 5,50€. Avec le tome 1, il y a aussi le tome 1. Donc ça doit être à peu près le même prix. Hein. Le tome 1 doit être au même prix. Hein. 5,50€. Ok. Ensuite, vous avez du Soul Guardian, du Gintama juste en haut. Le Gintama, on va regarder à combien ils sont. Alors, je ne vois aucun prix. Si, 5€. 5€ le Gintama. C'est un peu cher quand même. Ici, vous avez du Blue Flag, le tome 2. 5€. 5€ le tome de Blue Flag. D'accord. Ici, vous avez du Leçon of the Evil qui m'intéresse beaucoup et qui sont à 5€ le tome. Ici, vous avez le tome 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. Je vais peut-être me les prendre, un de ces 4, s'ils y restent, bien sûr. Ici, vous avez du GTO, le 1, le 19 et le 11. Ça doit être à peu près dans les mêmes tranches. Hein. C'est ça, 5,50€, c'est un peu cher pour de l'occasion, mais bon. Après, si vous cherchez des tomes particuliers, vous pouvez y aller. Ici, on va remonter doucement. Vous avez du Death Note. Le Death Note, à combien il se trouve? Bon, il est déchiré. Hein. Pas très intéressant. 4,50€. C'est déjà un peu mieux niveau prix. Là. Vous avez du Noragami, du GTO, du Balzar. Je me lève. Du Prophétie, du Shaman King. Le Shaman King, à combien ils le vendent ici? 4,50€. D'accord. Ici, vous avez un tome à 15€. Ça doit être un tome rare, je pense. Mais je ne mettrai jamais ce prix pour un tome. Quoi. Voilà. Alors, vous avez du Baptiste à 4,50€. Vous avez du Balzar. Balzar, c'est un manga très très cool. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez y aller. Ils sont à 4,50€ en plus. Très bon manga, Balzar. On va tourner encore. Bon, voilà, on a fait un tour complet, donc on va changer directement de zone. Si vous avez un Battle Royale, je vais regarder le prix de Battle Royale. C'est le tome 4. Il est à 4,50€. Du Heroim Game, le tome 2. Combien tu vaux, toi? 6€. C'est un peu cher, hein. C'est très cher même. Donc voilà pour le premier truc de manga d'occasion, donc on va aller juste à côté, hein, où je vous ai montré. Donc c'est parti. Alors, ici vous avez du manga d'occasion, mais en DVD. Voilà, là c'est du DVD, et en bas vous avez des mangas qu'on va regarder maintenant. Du Chevalier des Zodiacs, je vais regarder le tome à combien il coûte. Il coûte 4€. C'est vraiment pas mal pour ceux qui veulent finir Chevalier des Zodiacs, qu'ils ont cette édition. Vous avez pas mal de tomes comme vous pouvez le voir. On va aller à côté. Ici vous avez du High School of the Dead qui doit être à 4€, 4,50€ aussi. Hein. On va regarder ça tout de suite. On regardera après. Vous avez du Eden Zero qui est juste là. Le 1 et 2. Vous avez de l'attaque des titans, le 24. Et le tome 9 de l'attaque des titans, Before the Fall. Donc l'attaque des titans, moi, ça m'intéresse. Donc je vais regarder combien il coûte. 5,50€. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais bon, c'est pas mal. Après, c'est vraiment pas très pratique pour regarder et filmer en même temps. Ici, vous avez du Fairy Tail, du Heroes. Donc voilà, vous avez pas mal de bonnes choses. De toute façon, je vous ferai à la fin un récap de ce que j'ai acheté et ce que j'ai laissé. Si vous avez des grands tomes, du Valor, voilà. On va garder. Ici, vous avez des petits porte-clés. Hein. Des petits porte-clés. Un peu trop de lumière ici. Ici, comme vous pouvez le voir, je viens de voir, hein, il y a un Souland
le tome 2 en occasion à 5 € le tome. C'est pas mal 5 € le tome, parce que le tome 2, enfin le tome 2, tous les tomes de Souland, ils sont un peu chers. Donc voilà. Donc là, on va faire le tour d'ici. Et ensuite, on attaquera les mangas d'occasion qui sont juste ici. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, on va attaquer directement le tour, le truc qui tourne. Vous avez du Platinum End qui doit être à 4,50 € le tome. Bon, désolé pour la lumière, hein, mais la lumière est vraiment chiante. Ici, vous avez un tome du Basilisk. C'est la série que je cherche à compléter. Il n'y a pas de prix ici. 6 € le tome. Je regarde à combien il se vend neuf. Et je verrai. Sinon, après, à côté, vous avez beaucoup de Fairy Tail qui pourraient intéresser ma copine. Ici, vous avez du Yu-Gi-Oh! Pas mal de Yu-Gi-Oh! Hein, quand même. Alors, regardez le tome, il coûte combien? 4,50 € le tome. Donc, si vous voulez faire du Yu-Gi-Oh! Hein, vous pouvez y aller. Désolé pour la lumière. Hein. C'est juste cette lumière-là qui est chiante. Voilà. Donc, voilà. Vous avez du Metropolis. Metropolis. Dragon Metropolis. Comme vous pouvez le voir ici. Du Perfect Crime, le tome 2. Je crois qu'il nous manque le tome 2. Il faut que je regarde l'état du tome 2. C'est le tome 3 qui nous manque ? C'est le tome 3 qui nous manque. Du Alice Borderland, ici, à 5 € le tome. C'est l'ancienne édition. Hein. Il va y avoir une nouvelle édition qui va sortir très bientôt. Du Code Geass. On va tourner un peu. Du City Hunter, du Silver Wolf qui m'intéresse. Il n'y a pas de prix, donc faudra demander à la rendeuse. King's Game, Golden Kawi. Bon bah on a fait le tour, donc on va attaquer les mangas qui sont juste à côté. On va regarder qu'est-ce qu'il y a en gros. Voilà, allez, c'est parti. Ici vous avez des Vampire Knights pour ceux qui en manquent. Pas mal. Donc vous avez du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, 7. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ici vous avez du H et Ellie. Juste à côté vous avez du. Alors je ne sais plus, je ne vois pas le nom, il est à l'envers. Donc on va regarder vite fait comme ça. Hein. Parce que bon, fouiller ici, c'est entre 4,50 € et 5 € le tome, de façon. Du Tokyo Ghoul, du Isu, du Tsubasa. C'est du Tsubasa aussi. Vous avez pas mal de mangas. Vous avez même du roman ici. Les romans de SAO. On va aller ici hein, directement, on va regarder. Ici il y a du Irgir pour ceux qui cherchent la collection. Vous avez pas mal de Irgir comme vous pouvez le voir ici. Je vais regarder le tome 1 combien il coûte. Il est à 4,50 €. Ça c'est quoi ça? Ça c'est du Tabou Tatou. Tabou Tatou. Ici, vous avez du Jackals. Jackals avec le tome à 4,50 €. Vous avez du Basilix que je cherche, du Drifter. Drifter c'est pas mal du tout. Hein. Si vous connaissez pas Drifter, vous avez l'animé qui est vraiment pas mal du tout. Du Drifting Dragon, du Get Baker, du Ultra, du Ultime. Regardez juste derrière, qu'est-ce qu'il y a. Ici, vous avez du Deezerpunk, du Talentless, le tome 5. Combien coûte le Talentless? Il est à 7 €. Je ne sais pas combien il est en neuf. Ici, les griffes blanches. À 11 €, mais je crois pas que c'est un manga, ça. Juste derrière, vous avez les Kingdom Hearts, les volumes. Combien coûte un volume de Kingdom Hearts? 8 €. Du Aqua Knight,
du Case, du Blood Lad, du Dragon Ball, du Noragami, du Awaken, du Areade, mais c'est les deux premiers mois, il me manque les 11, 12, 13 et 14, du Fruit Basket. Combien coûte le tome du Fruit Basket? 4,50€. Ça va, 4,50€ pour un tome de Fruit Basket. Vous avez du Dr. Stone ici. C'est le tome 2 qui est pas brillant. À 5€. Vous avez du One Piece, mais je ne sais pas c'est quoi ce tome. One Piece, le méca géant. Je crois que c'est les films. Derrière, vous avez du One Piece aussi, le 73 qui pourrait m'intéresser. Combien tu coûtes? 4,50€. Je vais peut-être me le prendre celui-ci. Ensuite, on a quoi? On a du Bleach Souls, 7€. Du Bleach, un autre Talentless, tome 5. Du Yona, Princesse de l'Aube. Mais ma chérie les a déjà, ceux-là. Du Bleach derrière, on va regarder c'est du combien. C'est les premiers tomes. Hein. Du Aishil 21, le premier tome. Du Naruto. Naruto, il coûte combien en général? 4,50€. C'est pas mal. Hein. Si vous voulez commencer du Naruto ou s'il vous manque des tomes. Ici, vous avez le 70. Donc, un des derniers tomes, je pense. Qui est à 4,50€. Du Degreman, du Boruto qui m'intéresse beaucoup. Donc je vais regarder à combien coûte le Boruto. Merci. Si vous avez du Seraph, le Boruto. Le Boruto est à combien? 7€. 7€ le Boruto. C'est un peu cher quand même. Ce que c'est. Ici vous avez du Satan 666, du Free Fight, du Battle Royale, vous avez du Awaken encore. Vous en avez pas mal du tout. On va regarder de ce côté là. Vous avez du Calder, du Green Blood, l'ancienne édition, hein, parce que sinon le Kiyun il serait pas marqué comme ça. Du Rudolph. Ah, Hell's Paradise, le tome 10, c'est nouveau, mais je crois qu'il est déchiré à la jaquette, donc je ne sais pas si je vais me le prendre ou pas, je verrai. Ici, vous avez la nouvelle édition de Slam Dunk, mais qui s'est pris un coup de cutter, quoi. Ici, du One Punch Man, du Ultramarine Magmel. Du Rikudo, le tome 5. Il me manque le tome 5, mais je crois que celui-ci, il est... Non, c'est pas celui-là. C'est celui juste à côté. 5,50€, le tome 5. Je crois qu'il me manque le tome 5, donc je vais peut-être me le prendre. Du GTO, du Colder... Vous avez pas mal du tout comme manga. Ici aussi, il y a vraiment pas mal de mangas. Ici, vous venez dans ce magasin, de façon, vous faites vos recherches, vous restez une bonne petite heure en train de chercher, enfin une bonne petite heure. Bien sûr, vous visitez le magasin. Hein. Il y a plein de figurines à l'intérieur, plein de figurines et des mangas cachés. Donc voilà, c'est vous recherchez votre petit trésor. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Vous avez du Angolmois, le premier tome. Juste me déplacer pour revenir ici. Voilà. Ici, vous avez du Vigilante et je crois que c'est le film de My Hero Academia. Du Hate Strike, la Princesse Résurrection. Et vous en avez même caché derrière. Donc bon, c'est vraiment compliqué à regarder, vraiment tout. Hein. Comme vous pouvez le voir ici, hein, ça parle du Covid à côté. Donc voilà, faites pas attention. Hein.
vous avez du Full Metal Alchemist. Ici, vous avez, je crois que c'est l'intégrale de Inuyasha. Donc, c'est pas mal. À côté, vous avez pas mal de Kyo et du Neuro et du Bakuman qui est juste en haut. Donc, voilà. Bien sûr, vous en avez encore tout en bas, mais bon, je vais pas me coucher pour regarder. Donc voilà, en gros, pour les mangas d'occasion, je vais vous faire en gros. Tu peux te remettre mon focus, s'il te plaît? Voilà, là mon focus il s'est remis. Donc je vais vous montrer en gros, désolé pour la lumière, hein, c'est le truc qu'il y a juste là qui fait ça. Voilà, vous avez pas mal de mangas. De retour à la maison, après le petit vlog que j'ai fait. Soyez indulgents, c'est mon tout premier vlog. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut rester. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai fait quelques achats. Voilà, Fortress Apocalypse, le tome 7 que j'ai trouvé à 5€ là-bas. Et le tome 8 que j'ai trouvé aussi à 5€ là-bas. Donc, j'ai fait ces achats-là. Dans la vidéo, j'ai pas pu tout filmer dans le magasin. Parce qu'il y avait des gens à un petit moment, il y avait des gens qui se sont ramenés et le magasin allait fermer. Donc, je me suis dépêché d'aller faire le manga parce que j'avais encore quelques vitrines à vous montrer que je vous montrerai dans un autre vlog quand j'aurai plus de temps à faire au magasin. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir. Et abonnez-vous. C'était Olonet.